ils sont. C'est la fête. Donc voilà, nous arrivons dans la principauté. Est-ce que là on a peut-être la chance de voir la princesse? Ils ont des très jolis chapeaux, comme vous pouvez remarquer. Oui, oui, oui. Alors voilà. Un très très joli chapeau. Bonjour les amis. Hola, olé. Allez, petit tour d'horizon pour commencer. Donc vous avez vu, hein, nous sommes en Italie. Nous sommes dans El Villaggio de Seborgia. Seborgia. Dans la principauté. Alors, alors attention, parce que là, je vais vous le mettre en colère. Si. Ah oui, oui. Voilà. Donc là, c'est une principauté autoproclamée par les habitants. Voilà. Depuis, je crois, 1963, donc c'est une fausse principauté, mais ils font tout comme si c'était une principauté. Et il y a, actuellement, c'est une princesse qui est élue pour 7 ans. Et enfin, tous les 7 ans, les habitants votent, et en général, les princes et princesses sont élus à 98%, tu vois. Ouais. Ils sont toujours à peu près tous d'accord. Voilà. Ok. Alors, allez sur Wikipédia, tapez Seborgia et vous aurez toute l'histoire mieux bien racontée. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un petit tour dans El Villaggio. Il cavalieri. C'est ça. Donc la petite place, petite placette. Donc c'est on est dimanche. Hein. On est dimanche. Ouais. Il fait pas très très beau. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi grand monde. Une petite odeur de cheminée qui sent très bon. Ouais, mais juste avant, c'était plutôt une petite odeur de vache, moi je trouve. Ah, là, cette terrasse là-haut, elle est belle. Alors, on va passer par là. Ouais. Et puis après, on reviendra peut-être par là. Il faut savoir que l'italienne matinale ne dit pas bonjour. Non. Non, ça c'est... Belle rue, hein. Ah ouais, c'est mignon. Hein. Giuseppe Verdi. Vendésie. Ah oui, c'est à vendre. Justement, c'est à vendre. Et tu as vendre. Ouais, t'as plusieurs possibilités. Bellissime. Hein? Mignon.
Voilà. Comment elle s'appelle, comment cette place? Ah, c'est la place San Martino. Piazza San Martino. On a même les disputes en italien. Et alors, on va la visiter, cette petite église. Entrata. Allez. Hop, hop. Sur la route, on en a vu, il y en a. Ça pousse. Est-ce que tu ne voudrais pas me faire un petit. Un discours. Un petit prêche. Voilà, belle petite crèche. Non, un prêche. Hein? Un prêche. Non, la crèche. Et la crèche. Il est là. Il est là? Il est là. Ah, alors. Le divin enfant. Est-ce que tu as vu qu'il y a. Non, c'est des oies qui sont dans l'eau. Très bien. Dommage qu'il y a la parabole. Ouais. Voilà, avec le soleil qui se fait hésitant. C'est pas des gros chiens, hein, pour le coup. Ouais, ça fait comme à Monaco, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais... ah bah voilà, Valerio. Ah, c'est la campagne, non? C'est une campagne de... Ouais, c'est un truc politique, non? Ça a l'air d'être... Ah. Nous allons à Passo del Bambuto. 40 minutes. Mais nous, après, le mieux, c'est surtout, on va faire le mont Caggio. Caggio.
montagne. Donc là, on tourne à droite. Oui. On va. Allez. Vous bandit. C'est le chemin des bandits. Voilà, nous sommes partis. Donc, petite randonnée dans les terres italiennes. Allez, au Monte Caggio. Voilà, donc avec le village derrière nous, hein, la principauté du coup. Ouais. Donc dommage qu'il fasse pas super beau parce que il y a quand même un sacré panorama. Hein. Il y a du potentiel. Il y a une très très jolie vue, ouais. Avec vue sur la France derrière. Ouais. Le chemin, ah bah c'est bien, il a bien plu là. Voilà. Dommage que ça soit voilé hein, parce que c'est vraiment beau. Tout le littoral là. Ouais. Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ouais, on voit Saint-Jean-Cap-Ferrat. Roquebrune, le premier, c'est Roquebrune. Roquebrune. Et derrière Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est chouettasse. C'est chouettasse. Le Mont Brune, il est par là. Tête de cour. Roc de l'Orméa. Alors c'est lequel? Tu vois, je sais pas si tu vois. Ouais, donc c'est où? Donc c'est celui que je t'ai montré. Non. Si? Non. C'est pas lui là? C'est celui là. C'est lui. Ah oui, il y a le nuage au-dessus? Celui que tu m'as montré. Ah ouais, d'accord. C'est le Mont Agel. Ah, c'est le Mont Agel. Ouais, le Mont Agel. Dac. Voilà. Et avec derrière, donc le parc des Alpi Maritimi et le parc des Mercantour. Si. Qu'on voit pas très bien, mais là et par contre. Là par contre, il y a Monte Toraggio par là. On ne voit pas encore, puis après on le verra mieux. Ouais. Et ça, c'est le prochain. Enfin, au printemps, parce que là c'est où on ira. Ok, bon là, c'est en train de se couvrir de l'autre côté, donc je ne sais pas si on va voir grand chose. Là, nous sommes à 900 mètres d'altitude, donc on arrive un peu sur l'autre versant là. Là, on est au Mont Carparo. Le Mont Carparo. Donc là, on est bien en Italie là. Donc je pourrais pas vous dire le nom des villes là qui se trouvent juste en dessous. Ben, c'est quoi, San Remo? Là, non. On vient de Bordighera et là, c'est San Remo. Voilà, donc là, c'est San Remo. Ouais. San Remo, Rome, San Turin. Remo. voilà quoi. San Remo, oui. Ou avec. Alors, avec Remo, sans Remo. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On va dire que la ville de San Remo est là-bas. Ouais. Ou alors c'est l'autre derrière, je sais pas. Non, mais je sais pas. Oui, là c'est le port de San Remo. Ouais, je sais pas. Non ? Bah écoute, je sais pas. On va pas dire de conneries. Non. Donc, erratum hein, sur la vidéo, la dernière vidéo au Mouton d'Anou, où je dis que à un moment je montre le bâtiment IBM et je dis qu'il est abandonné et que c'est une zone urbex. Pas du tout. Pas du tout. Je travaille dedans donc. T'arrêtes de dire des bêtises. Donc je m'excuse. Ah, un vététiste. Non, un vététisto. Una vététisto. Ciao. Ciao. Voilà. C'est pas des trials, c'est des crosses. C'est des crosses. Et encore ou... Oxygène-toi. C'est le moment là. Ouais. Ah, là, ça pue bien l'essence. Là, c'est du mazout là. Ah ouais. Le bordel que ça fait. C'est peut-être ça que le cycliste nous a voulu. Ouais, nous a... Ouais. Ah, je suis dégoûté.
Mais on voit strictement, mais rien du tout, quoi. Par contre, on voit la brume, c'est incroyable. Il y a un vent. Ah là là, c'est... Bah, c'est vraiment con, hein, de se taper tout ce dénivelé pour rien voir. Ouais, très beau. Nous sommes dans la forêt de Fontainebleau. En Italie, évidemment. Donc, Fontainebello. Fontainebleau. Hop. Ah, this way. Y aurait-il de la grotto? Il fait frais là-dessous. Ouais. Ça a été creusé là-bas. C'est assez grotesque. C'est vrai, c'est très grotesque. Ouais. Ouais, c'est un peu quand même un peu grisant. Ouais. Il y a des réserves de bois. Il y a donc, je pense qu'il y a eu de la vie primitive par là. Voilà. Ah, c'est un sentier qui est très original, l'eau. Ça, c'est une entrée de... Comment il s'appelle de... L'ours ? Non, non, de gnome. Ah. Ou de gnomo. Ah! Regardons! Ah, quand même! Ça veut dire qu'on arrive là? Ah! Eh ben, on ne voit toujours rien, c'est ça qui est bien. Mais on est arrivé. Enfin, je sais pas si on est vraiment arrivé en fait. C'est ça? Le point culminant? Voilà, donc Corico devrait avoir une vue sur le Mercantour là. Et ben. Oh, par contre, très joli. Je ne sais pas qui. Alors, on va essayer de deviner qui c'est. Mais c'est. D'abord, un bon sculpteur. C'est qui ça, d'après toi? Il fait penser à quelqu'un. Brigitte Macron? Ah, quand on manque un peu d'oxygène, on a des pointes d'humour qui montent comme ça. Ah, regarde, on est à 1090 mètres. 1090 mètres. Dis donc, je vais te dire. Putain, dis-moi. C'est sûr qu'on voit rien. Mais là, on le voit qu'on voit rien. Là, ouais, là. C'est-à-dire qu'on était pas sûr. En bas, on a. En bas, on disait. Parce que, en fait, ce proverbe est vrai. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Et n'oublie pas que le proverbe, là, on est en Italie. Hein. C'est le proverbe italien. Hein. Quand le Monte Cacio est brumeux comme ça qu'on voit rien, ou il va pleuvoir, ou il va faire beau. Ah, nous ne verrons rien. Oh là, putain, c'est quoi tous ces panneaux solaires, là? Mais c'est quoi, on a pas... Pourquoi qu'il y a des panneaux solaires juste là? Ah, ben d'accord, il y a... Ah ouais, on voit tellement rien. Il y a un truc de météo, je sais pas trop. C'est fou, on voit pas à plus de plus de 50 mètres, on voit rien, quoi.
archéologique. Ah ouais, donc c'était un site archéologique. Ah, la grotte de la Ratapena. De la Ratapena. Alors ça, on a... On n'a pas vu ça. 1090 mètres, ça devrait être par là, non? C'est ça. Ah, regarde. On est passé, là. Non, je sais pas. Ça, on n'a pas vu la croix, là. Je sais pas. Bon voilà, petit spot. Bah théoriquement il doit y avoir une belle vue. Mais ça on ne le saura pas. Et voilà, nous avons trouvé la Vierge. La Sainte Vierge. Ah dommage, putain, avec la vue, ça aurait dû être trop beau. Putain, mais c'est incroyable, on ne voit strictement rien, quoi. Ah, la poisse. Ah si, ça se dégage un peu en bas. On voit un tout petit peu en bas, mais voilà, on verra rien, quoi. Et que je balance le drone, ça sert à rien, quoi. Ah non, non. Ave Madonna del Monte Gaggio. 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 Regardez, ça fait trois fois qu'on passe là, il pleut. Il pleut que ici. Regardez. Regardez. Alors on fait 5 mètres de plus. Il attends, attends, c'est où qu'on voit les gouttes? 5 mètres de moins, il peut pas dans. Ça pleut. Donc je sais pas, il pleut que au-dessus de ces arbres. C'est incroyable. Oh, regardez, vous voyez bien là. Ah, il y a des bonnes gouttes qui tombent. Et là, il pleut toujours là-bas. Et là, il pleut plus. Ah, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que l'Italien est un peu voleur de panneaux solaires. Là, c'est bizarre. Hein. Il a toute la rangée, là, et je sais pas. Bon, on s'est posé là. La croix est juste là. Là, on est à l'abri et on va manger là. Voilà. Pas italiano. Tu veux bien la prendre? Il y a des serviettes. Oh, putain, elle est énorme. Ah ouais, ça c'est du costaud, c'est merci. Du lourd. Grazie mille. C'est du lourd. Voilà les amis. C'est quoi comme pizza? Pizza, pizza. Je ne sais pas. Pizza plein de légumes.
Alors j'ai fait un petit test, j'ai envoyé le drone, je l'ai envoyé à 120 mètres d'altitude pour voir si on arrivait à dépasser ce nuage de brume là, et ben non. Donc la brume monte très très haut, donc on ne voit vraiment vraiment rien. Et là en plus il commence vraiment à faire froid, donc Daniel il est en train de finir de manger, moi je suis allé faire voler le drone. Une fenêtre de tir. Bon, on était sur le chemin du retour. Regardez, Daniel me dit regarde, regarde, regarde derrière toi, arrête-toi, regarde derrière. Ça se dégage. Et là, il pleut. C'est un truc de fou. Regardez. Vas-y, vas-y. Non mais c'est incroyable que pourquoi il pleut tout le temps ici. Ah ouais, ça se dégage là. Putain, c'est incroyable comment c'est parti d'un coup. Attends, viens, on remonte. Ben non, à la statue. Ouais. Là, non. C'est mieux. C'est mieux à la statue. Ah, ça change tout. Putain, c'est incroyable. Waouh, 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 waouh. Wouh. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de cul quand même. Hein. Non, c'est de la patience. C'est de la patience, c'est vrai. Trop beau. Thank you.
regardez cet arbre comme il est, donc il est tout penché et en fait il s'est reposé sur la pierre. Et sur l'arbre aussi, derrière. Et, ouais, sur l'arbre là. Ah ouais, carrément. Bah, ah ouais, bon, il a dû avoir un coup de mou. Et il a dit, les mecs, ça vous dérange pas, je me pose là 5 minutes. Ouais, mais c'est 5 minutes pour un arbre. Ah ouais. C'est bon. Elle est rigolote là. Ouais. Bon, bah vous voyez, les amis, vous avez vu. Bon, là par contre, il fait vraiment. D'un coup, il s'est mis à faire méga froid. Les gants et tout, là, la totale quoi. Donc, bah, vous voyez, comme quoi, hein, comme quoi, bah voilà, comme quoi. Comme quoi, il faut toujours avoir la foi. La foi. Avoir. Être positif et y croire. Persévérer. Parce que franchement, c'était vraiment mal barré. Et puis tout d'un coup, la providence. Tout s'est éclairé, nous avons eu la chance de pouvoir profiter de cette vue incroyable, magnifique. Donc on est vraiment content quoi. Voilà. Et j'espère que vous aussi du coup. Voilà, c'est là où nous étions. Monte Gaggio, là où il y a la Vierge. Par là, c'est avec Remo. Et par là, c'est avec Romolo. Et là, c'est avec Romolo. Donc, on va ou aller... sans Romolo. Sans Romolo. Là, on va aller voir s'il y a Romolo. Nous sommes à San Pancrazio. Ouais. Donc, San Pancras, quoi. Je sais pas, ça, en tout cas, c'est... Elle est plutôt... Ouais. Plutôt en mauvais état. C'est peut-être une chapelle. Ouais, on dirait. C'est une chapelle. Ah, mais regarde. C'est où on était ? Ouais. On voit le... Monte Caggio. Voilà. Parfait. C'est bien dégagé maintenant. Enfin, ouais. Bah, on mieux, voit. Mieux, oui. Mais bon, c'est pas. Oui. Donc nous trouvons dans une forêt où jadis. Vivaient des tigres à dents de sabre. Comme vous pouvez voir. C'est pas des blagues. Hein. C'est de la belle dent. Hein. C'est déjà de la belle dent. Non, mais c'est pas des blagues. C'est de la bonne dent quand même. Hein. Non, je rigole, c'est du bois, les amis. Ah. Mais on aurait dit. Ah. Tout seul. Alors est-ce que... C'est... Non, on voit pas le village, hein. Non, pas encore. Donc cette rando, en fait, une journée un peu estivale, ça doit être juste magnifique. Ouais. Voilà. Tout est avec sans, hein. C'est jamais avec, hein, ici. Hein. C'est sans Barthélémo, sans Remo. Sans Romolo. San Francisco. San Roplo. Ah, là c'est joli. Ah ouais. Bon après c'est peut-être mon... Ah c'est joli, avec le village... Comment tu dis le nom du village ? Là c'est Perinaldo. Avec le village de Perinaldo juste là en face. Perinaldo. Ah, c'est grand hein. Ah, c'est pas un petit ouais. C'est pas un petit village. Non. Ça ressemble un peu à...
Bon, après 60 pouces, mais comme ouais. Ça, celui-là, il est vite fait, il me fait penser à Aprical. Aprical, voilà. Voilà. Aprical, en fait, il est juste derrière. Aprical, c'est voilà, c'est pas, c'est juste, bah, de toute façon, on est. Ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu Aprical, qui est juste après Dolce Aqua, c'est un très beau village ouais. Qui est réputé, en fait, à l'époque au Moyen-Âge, il y avait apparemment, c'était un village de sorcières. Voilà, Périnaldo. En fait, c'est un mélange de, entre périscolaire et Ronaldo pour se, non, pour se rappeler le nom du village. Pour se rappeler le nom du village, c'est périscolaire, Ronaldo, Périnaldo. Voilà. 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 C'est un bon moyen mnémotechnique. Bon, on s'est un peu planté sur le nombre de kilomètres à parcourir. On pensait faire 9 km et apparemment il faudrait peut-être en rajouter 9 de plus. C'est ça? Ouais. Donc il vaut mieux le prendre avec le sourire évidemment. Ah, en même temps, 9 km en plus, c'est quoi hein? C'est pas non plus. Quoi? Je veux dire non, on va pas l'acheter. Ah bah ouais, ça me paraissait bizarre. Non mais là il devrait y avoir quelque chose, ben ça doit être ça. Là il doit y avoir un bâtiment, une chapelle, quelque chose. Ça c'est quand je t'ai dit tout à l'heure, il est beau le pain de sucre. Je suis sûr que c'est ça, mais on était bien plus loin. Ouais. Donc on est parti de ce village. On est parti et on a commencé à monter, à monter, à monter, à monter. On est passé sous le poteau électrique là-haut. On a continué, on est monté tout là-haut derrière l'église là, donc là-haut la pointe. On est passé, on a fait tout le tour derrière. Et on a, ouais. Donc ça fait quand même, ouais. Ça fait une sacrée trotte. En tout cas, c'est très 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 joli. C'est vraiment, on a eu la chance quand même d'avoir du beau temps. Là. Jamie, oui. Si les gens veulent faire cette rando, peux-tu s'il te plaît vite fait expliquer en partant de Nice hein, par, voilà, nous on est voilà, parti. Voilà. Alors partant de Nice c'est très simple, prenez l'autoroute 20 000 et vous dépassez 20 000. Vous sortez pas à 20 000, vous sortez à Bordiguera qui est juste la deuxième sortie après 20 000. Mm-hmm. Et de là, de suite, à la sortie de l'autoroute, une fois que vous avez payé, hein, parce qu'il faut payer quand même, ouais. Et il y a écrit Seborg. Village de Seborg. Et il faut prendre le village de Seborg jusqu'à aller se garer au parking où on est. Voilà. De là, vous faites une petite visite au château. Si vous voyez la princesse, vous la saluez. Vous, oui.
vous donner vos hommages, évidemment. Et puis... Oula, on puis, arrive dans un hameau, là, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, un beau petit hameau. Voilà. Et puis, après, vous prenez direction Négui. Et puis, c'était quoi déjà le passo des contrebandiers, là, des banditos. Oui. Bandito, voilà. Très bien. Vous faites le tour, mais après, bon, nous, on a fait un grand tour. Alors, oui. Il y a moyen de faire plus court. Il y a moyen de faire plus court, donc renseignez-vous bien, parce que nous, là, on n'est pas loin des 18 bornes. Hein. Et franchement, bon, après, vous voyez, franchement, ça... Bon, on va voir, quand on arrivera, on vous dira exactement combien. Ouais. Mais, bon, après, il y a de dénive, il y a, ouais, il y a 800, je crois, on a 800 mètres de dénive positif. Donc, ça, c'est pas non plus la grosse rando hyper dure. C'est juste que, par contre, il y a de la marche. Exceptionnel. Et là, ça, c'est des maisons bizarres. Hein. Ça, c'est très joli. C'est même celle-là, là, derrière. C'est super beau. Et voir. Celle-là aussi. Hein. Ah ouais. Alors, faut faire gaffe parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas les Français, visiblement. Ah, c'est trop, ouais. C'est trop mignon. Hein. Waouh. Alors là, on est vraiment plongé dans le Moyen-Âge. Bien entretenu. Ouais. J'allais dire, ça sent le gaz. Ah, là, c'est vraiment, vraiment... Bonjour. Il y a un chat qui me... Il se demande ce que je fous là. Ah, plus rustique que ça, là, tu vois. Hein. Voilà, petit four. Four à pain. Pizza. Putain, les chiens, je sais pas ce qu'ils ont, mais... là, je sais pas... Ouais, bah étant donné que ça coule pas, effectivement, bon, ça sert à rien d'aller tout en bas, mais... Non, mais c'est... Eh ben, on finit la rando en beauté avec une petite cascade. Elle est pas vilaine du tout. Non, elle est pas vilaine. Même le tour, non, ça coule pas. C'est pas du tout, mais c'est cool. Ouais, c'est chouette quand même. Non, elle est pas si vilaine. C'est chouette, voilà. On vient de quitter... Perinaldo et on arrive à Seborgia. Ouais. Voilà, regardez le panneau, il est là, Perinaldo. On n'est pas encore arrivé. Et là, on rentre dans ces... Ouais, on n'est pas arrivé, mais... Et donc là, il y a un peu d'eau, tu vois. Il faut prévenir, donc... Ah non, c'est quoi là-bas en dessous? Ah, il y a un bordel, là. Nos amis abonnés, que la fin se finit sur la route goudronnée. Mais bon, franchement, il n'y a pas de voiture. Hein. Non, il n'y a pas de voiture. Et il y a la cascade. Et il y a la petite cascade, la route est agréable, et voilà. Bon, les amis, finalement, on a fait combien, là? Alors, j'ai oublié de mettre la route, la montre en route, donc il manque 1 km, donc on est à 17 km. 16,37, donc 17. Donc voilà, on a fait 17-18 km, 5h45 de marche. Dénivelé, on a fait combien? Hop. Donc pareil, il faut rajouter voilà, un peu plus de 900 de dénivelé. Voilà, regardez, on se quitte, les amis, sur ce paysage. Beautiful. Beautiful paysage. On entend les Italiennes derrière. Buonasera. Buonasera. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.